désolé pour le son, il y a des jardiniers occupés à côté. Bon, voilà, donc là on a les troncs d'arbres et puis ben il y a plein de frelons qui sont autour. On va essayer de sauver cette colonie. J'espère qu'il y en a encore par là. Alors, vous voyez, là il y a toute la colonie. J'ai posé la ruche devant. On va essayer de le faire aller dans la ruche. C'est de la vieille vieille cire. Là, je vais essayer de découper des morceaux. Et ensuite, essayer de mettre ça dans la ruche. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va essayer de prendre ça. C'est risqué, mais... Voilà, là, on a toute la colonie. Ok. Voilà. Morceau là, allez les filles. On a de très très vieilles cires. On peut pas en faire grand chose hein, de toute façon. Voilà. Ici. Pareil. Ok. Alors. Putain, tous ces frelons. Aïe 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 aïe. Là, c'est l'opération sauf qui peut. Allez les filles. C'est du royal. Essaimage, création d'une nouvelle reine, je sais pas. Voilà. Est-ce qu'on a encore du monde? Non, ça m'a l'air bien vide là. Ok. Alors, ici. De la colonie et les filles, on descend. Allez. Il y a une petite reine là-dedans. Voilà, voilà. C'est vieux, c'est noir. Ça devait d'appeler, il y a un certain temps. De la fausse teigne. Eh ben dites donc, quel bazar. Alors allez les filles, on descend. Voilà. J'ai encore quelques abeilles, mais. Alors ici. Ah,
ce stade, j'essaie progressivement de faire rentrer les abeilles dans la ruchette et de voir un petit peu le mouvement du groupe. Si elles vont toutes vers la ruchette, ça pourrait vouloir dire que la reine est à l'intérieur. Pendant ce temps-là, vous voyez que les frelons asiatiques continuent le travail de harcèlement. C'était assez pénible à voir, je dois dire. Ah, le frelon. Bon, je vais essayer de dégager tout ça parce que là, le frelon, ça va pas du tout. Alors ici, on a encore des abeilles, ok. Allez, les filles, hop. On va faire ça, on va fermer la ruche. Allez, hop, hop. Voilà. Donc, toutes les abeilles viennent se remettre sur le point de départ. Ok, bon, on va encore couper et puis poser ça juste devant la ruchette et voir ce qui se passe. Bon, regardez, ça rentre. Ça rentre dans la ruchette. C'est bon ça? Oh, les frelons asiatiques. Là, ici, on a tronçonné. En fait, regardez là. La deuxième entrée. Donc, je vais tronçonner jusque là. Devant la ruche, c'est bon. Allez les filles, c'est bien. Ça commence à se calmer, là il y a pas mal d'abeilles qui sont là maintenant. Donc, vous voyez, j'ai plus d'abeilles sur le tronc, c'est bien. Et là, progressivement, on voit que les abeilles battent leur appel. Elles lèvent les fesses, remuent les ailes. Ça, c'est plutôt très bon signe. Elles appellent en fait les autres abeilles à venir les rejoindre dans la ruche. Bon, il est temps que je les emmène parce que là, vous voyez, les frelons sont aux aguets. Allez, les filles, on va vous emmener d'ici parce que là, là c'est pas tenable. Voilà, vieille cire, j'ai vu des abeilles avec des ailes déformées. Ça veut dire présence de varroa. Là, par exemple, les frelons sont concentrés ici là-dessus. Quelques abeilles. Ouais, c'est vraiment une très vieille cire. Je pense que la colonie devait être là depuis un certain temps. Ça, on va le détruire. C'est en train de se stabiliser, mais vous voyez, frelons à l'affût, juste devant. J'espère avoir sauvé la colonie, la reine, je ne sais pas. Aucune idée. C'est avec traitement, quarantaine, et puis
On est courant septembre, on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors, c'est compliqué aujourd'hui. Fin de journée. Encore du frelon asiatique qui se balade. Allez. La nouvelle colonie, celle qui était dans l'arbre creux. Guillaume. Putain, un frelon. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut les filles. Il y a du monde, c'est calme. Des réserves, c'est pas génial, mais c'est pas nul non plus. Je vais lui mettre un cadre de réserve, je pense. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte... Oh! Ça raconte qu'elle le mange, mais qu'elle le garde plus tard. Mais je vois des bouts de bois, 2-3 feuilles en bas, en fait c'est normal. Wow, ça c'est bon. Et la voilà. Je la vois là, sur ce cadre. Bonjour. Une reine qui pond. Une reine qui pond. Waouh, ça s'est pondu, c'est super. Un deuxième cadre de ponte. Très bien les filles. Et ça... C'est très lourd. Et là derrière, c'est très lourd aussi. Ok. Donc, ça, on va le remettre ici. Possibilité de le remplir encore avec un peu de ponte. Deux cadres de ponte. On a vu la reine. On va protéger l'entrée. Et puis, on va se protéger aussi contre les frelons asiatiques qui sont bien là. Allez, à bientôt.